tiens un truc carrément, c'est le tuto d'Ivana. C'est carrément le tuto d'Ivana qui appâche les clients pour l'envoyer. Mais envoyer autorité sur Snap. Mais moi, j'ai plus d'autorité sur Snap qu'elle. Des publications, aucun followers. Elle est carrément aucun followers. De toutes les personnes, toutes celles qui me suivent, qui suivent carrément Ivana, savent très bien, ont vu la pub ce jour-là. Un jour de pub, zéro followers. Remboursez-moi mon argent. Remboursez-moi mon argent. Voilà. Donc, j'ai fini de parler. Donc, celles et ceux qui veulent perdre du poids. Il n'y a pas le tout. Ici, ce n'est pas le tout à dire. Je n'attire pas moi les clients. Donc, c'est au bon vouloir. Venez acheter les gelules, ventre plat et perte de poids général. Je viens ventre plat ou perte de poids général. Il n'y a pas d'attirance dessus. Ce n'est que Dieu, mon chocolat. Mais que Dieu mes prières et mes bénédictions. C'est tout. C'est tout. Et c'est comme ça qu'un commerce doit fonctionner. Que les kits d'attirance, les kits de séduction, les kits, tu sais quoi, tout ça. Voilà. Bref. Allez dire à René Karimo de me donner mon argent. Et allez dire à Ivana Chakleta de me donner mon argent. Parce que je suis prête. J'aime d'abord les problèmes. Partage. Voilà. Hey, c'est grave. Bipé Karimo au passage et Ivana Chakleta. Jennifer l'IMC, il n'y a pas longtemps, elle a publié un réel dans lequel elle accuse Karimo et Ivana chef d'État d'escroquerie. Donc elle est sortie là maintenant pour montrer les conversations qu'elle a eues avec les deux personnes dont j'ai parlé au début. Apparemment, elle avait été contactée pour, multiplier son commerce. Donc, elle est sortie donc. Et elle a versé alors. Je vais essayer de repartir au début. Déjà pour vous faire écouter pourquoi elle sort. Et comme elle le dit elle-même, elle n'est pas dans les histoires d'attirance des clients. Elle ne veut pas faire partie des sectes d'attirance des clients. Donc, partagez s'il vous plaît. Partagez. Partagez, s'il vous plaît. Je vous fais écouter. Ensuite, elle revient encore. T'es pas encore venu vers moi pour une pub. Pour une pub. Jusque-là, je comprends pas. Je lui dis, comment ça, tu veux me faire une publicité? Après, monsieur, tu devais m'en parler si t'en voulais. Je t'ai dit, à chaque fois que cette femme m'écrit, je ne comprends absolument rien de ce qu'elle me vend, en fait. Je comprends rien. Parce que ses messages sont incompréhensibles. Ça me laisse perplexe. Je ne comprends rien. Donc, du coup, je pose des questions. Désolée pour ma manicure. Hein. Je ne suis pas encore passée. Voilà. Je pose toujours des questions pour essayer de mieux comprendre. Du coup, elle me dit, tu devais m'en parler si t'en voulais. Après, je me dis, oui, j'ai besoin d'un coup de boost publicitaire, mais je ne t'en parle pas parce que je me dis que tu vas refuser. C'est quand même Karimo. Moi, je suis Jennifer, elle, c'est Karimo. Parle de Karimo. Elle me dit, pourquoi je devrais refuser? Parce que tu te dis que je ne voudrais pas partager mon audience. Ok, je t'envoie chez Ivana alors. Elle essaye de m'envoyer chez Ivana. Toujours. Toujours, elle essaye de m'envoyer chez Ivana. Toujours, 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 elle essaye de m'envoyer chez Ivana. Je bloque. Ensuite, elle continue. Elle me dit, elle m'envoie chez Ivana, je ne réponds pas. Elle me dit, les gens n'aiment pas... moi, je lui dis, les gens n'aiment pas aider les autres. Je te dis. Ah, donc, c'est ton cas. Ok, compris, désolé alors. C'est-à-dire, je comprends rien à ses écrits à Karimo, je comprends absolument rien. C'est-à-dire que je ne sais pas si elle essaye de m'extirper des informations, je ne sais pas si elle essaye de me faire dire des trucs dont je n'ai pas envie de dire, je ne comprends absolument rien. Du coup, elle me dit ceci. Moi, je lui dis, ce n'est pas mon cas, parce que moi, j'aide les gens, mais je te parle en général. Généralement, les gens n'aiment pas aider les gens gratuitement.
Donc, je suis vraiment agréablement surprise que tu me proposes une aide publicitaire. Vraiment, ça me touche énormément. Elle me dit, envoie-moi tes publications, tu me donneras seulement mon jus. Je me dis, mais attends. Je lui dis, mais attends. Comment ça, en fait? J'étais choquée, étonnée et tout. Mais vraiment choquée. Du coup, je lui envoie mes trucs pour qu'elle me fasse la pub. Après, elle me dit, bonjour. Je lui dis, elle me demande de lui donner une somme. Je lui dis, bah, 100 euros, tranquille, 100 euros, c'est bon. Pense à lui, t'inquiète pas, Facebook, quand tu auras vendu, reviens me dire, c'est chaque bon. jour on Fais le dort, on se mandat. lève, il y a des nouveaux dossiers. Maintenant, Jennifer, Quand tu vends. l'IMC, Ok, ça met marche. dehors C'est tout là. des Après, conversations Emmanuel. entre elle et Karimo et Ivana, chef d'État. Du coup, je lui Écoutez. dis, je préfère payer par PayPal. Et je lui fais une avance. Je lui fais une avance. Des 100 000, parce que je reste quand même sceptique. Je lui dis, bon, Jennifer n'envoie pas tous les sous. Coupe. Envoie la moitié. Et après, tu vois ce que ça donne. Donc, je lui dis, je t'envoie ça. Et elle me repropose encore une millième fois. J'ai bien une millième fois. Une millième fois de parler avec Ivana. Ça, c'est de... Elle parlait de Je lui dis, mais. Karimoa. Parce que Ivana a une grande audience. Parce que je lui avais déjà dit que je n'étais pas intéressée par tout ce qui est voyance d'Ivana. Tout ça ne m'intéresse pas. Je lui ai dit que je crois en Dieu. Et mon commerce, je remets entre les mains de Dieu. Elle ne fait qu'insister. Ivana, 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 Ivana. Du coup. Ivana m'écrit. Moi, je n'écris pas Ivana. Ivana m'écrit. Du coup, Ivana m'écrit. Voici Ivana. En gros, elle a contacté la boss lady pour de C'est la pas, pub. ce sont des vrais Et la contacts. boss C'est lady pas des fake accounts. C'est l'a Ivana et mis en Karimo. Parce contact qu'on a avec parlé, Ivana. on a C'est ce qu'elle échangé dit, des hein. C'est voix. pas Donc, moi qui dis, c'est c'est pas pas des Tolia. Hein. hommes ou quoi que ce soit C'est derrière. Ce sont Jennifer des personnes l'IMC. réelles. Bon, regardez la date du 10 octobre. Karine me fait part de ton besoin. Parce qu'elle est partie directement par là à Ivana. Au cas où vous ne savez pas, Karine collabore bel et bien avec Ivana. De tout le temps, Ivana poste pour publier carrément en story. Donc, elles sont copines. Voilà. Mettez un pouce, s'il vous Du plaît, et coup, moi, je partagez. n'écris pas Ivana. Parce que je suis sceptique. Je me dis, je sais pas. Je me dis, les choses d'Ivana sortent toujours seules. Après, je me dis, bon, Jennifer, apprends à faire confiance aux gens. Ivana m'écrit. Karine me fait part de ton besoin. Qu'en est-il? Bonjour, Ivana. Bonjour, tu veux un produit pour augmenter ta vente ou tu veux juste. Je vais aller voir si vous avez partagé. Donc, je vous mets ici en ligne le Japap de Jennifer Lee MC. Et qui deux partagent, s'il vous plaît, partagez dans les groupes. Ah, vous exagérez. Vous êtes 19. Personne ne met un pouce bleu. Vous venez écouter le Japap. On va chercher le Japap. On vient vous donner le Japap. Il n'y a personne qui partage. Comment vous voulez que ça monte? Vous êtes 18. Un pouce bleu, un partage. Ok, ça va pas vous tuer. Hein? Vous venez écouter le Japap, incapable de partager. Partagez dans les groupes, s'il vous plaît. Moi-même, je fais déjà moi-même mon propre taf. Je suis en train de partager. Partagez et puis après, on continue le Japap. Donc, Jennifer, apparemment, a contacté la boss lady pour de la publicité et la boss lady l'aurait mis en contact avec Ivana. Ça, c'est ce que Jennifer dit. Ivana pour lui vendre des kits d'attirance des clients. Wonderful. Donc, elle est donc venue se plaindre que on lui rembourse son argent parce qu'elle ne veut plus. Partagez, s'il vous plaît. Oh, partagez, partagez.
Je veux vous faire écouter. Un pouce bleu, un like, un partage, s'il vous plaît. Ça ne coûte rien. Hein? Vous venez écouter le Japa. Faites alors le taf. Faites le taf. Un pouce bleu, un partage et on avance. Je vais vous faire écouter la suite. Hein? Voilà. Un pouce bleu, un partage. Je vous ai 17. Si vous faites 17 partages, c'est déjà pas mal. 15 pouces bleus, 17 pouces bleus, c'est déjà pas mal. Ça permet de faire monter l'audience. Écoutons alors. Et elle aussi, comme Caribou, elles m'ont bloqué. Bloqué, vous voyez, j'arrive pas. Elles m'ont bloqué. Quand j'ai commencé à être en désaccord, je me suis dit, mais attendez. Du coup, Ivana me dit que. Voilà, elle m'envoie. Ivana me dit qu'elle a de l'audience. Elle m'a envoyé sa story. Où elle fait 12 000 followers. Où il y a 12 000 personnes qui regardent ces trucs. Donc elle m'a su. Voilà le compte, le vrai compte d'Ivana, parce que je vous vois. Vous faites n'importe quoi, vous dites que oh, c'est pas le compte d'Ivana, c'est un fait et qu'on voit le vrai compte d'Ivana. Alors mettez-vous bien à jour. Donc mettez-vous bien à jour, voilà le vrai compte d'Ivana, parce que je me rends compte que vous parlez beaucoup, mais vous n'avez pas du tout le compte d'Ivana. Donc elle m'envoie son compte pour me dire que la publicité avec elle est assurée. Je dis bah ok, vu que c'est Arimo qui m'envoie chez toi. Du coup, elle me propose ses titres. Je lui ai dit non, je veux que de la pub. Je cherche où elle me propose. Où elle me propose ces choses, je lui ai dit non. C'est où le message? Elle raconte son aventure avec les boss ladies hein, pour pouvoir faire avoir de la publicité sur ses produits qu'elle vend. Écoutez, pardon, un pouce bleu et un partage. Sinon, moi, j'arrête ça. Je vais dormir. Je suis fatigué. Demain, je travaille. Ivana me propose son kit. Je lui dis non, je veux que la pub. Carrément, je dis à carrément que c'était que la pub. Non, c'est que la pub. En fait, dit, okay. Elle dit que Ivana a proposé le kit d'attirance alors qu'elle, elle venait que pour la pub et qu'elle avait dit à la boss lady que c'était la pub et pas le kit d'attirance. Maintenant, elle redemande qu'on lui redonne ses dos. Elle veut rebattre qu'on lui redonne ses dos parce qu'elle n'a pas eu ce qu'elle attendait. Donc, elle a déjà commencé tout doucement à mettre dehors les échanges qu'elle a eus avec la boss lady et Ivana. Écoutez. Ensuite, je paye, je fais une avance parce qu'à chaque fois je fais des avances, que je paye, je ne donne jamais mon argent entièrement. Je fais des avances, je fais une avance et elle me garantit un retour. Je lui dis, oui, ok, tranquille, elle m'envoie sur sa page qu'elle a 12 000 personnes qui regardent sa page tous les jours, donc il y aura forcément un retour. Donc, c'est comme ça que j'accepte, je lui fais une avance de. On s'est mis d'accord sur 120 000, je crois, oui. Je lui fais une avance et elle me dit pour que la pub ait plus d'impact, je vais faire ça au même moment que Karimo. Je lui dis non. Si tu fais au même moment que Karimo, je ne saurais pas qui de vous deux a plus d'impact que qui. Je ne saurais pas les followers qui viennent de t'écouter. Je ne saurais pas si ce sont tes followers ou ceux de Karimo. Bon, Edith Bilo, je te bloque. Les gens qui n'ont pas de cerveau, dégagez. Voilà ça. Carrément, elle a publié. Elle m'a mentionné dans sa story. Je sais qu'il y a le vrai compte de Carrément hein, qui est celui-là. Parce que le reste du fait qu'il compte, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et c'était quand comment on fait pour faire la dette? C'était quand? Comment on voit la dette sur les bêtises aussi? Attendez. Voilà, c'était le 10 octobre, quelque chose comme ça. Donc le 10 octobre, Karimo m'a demandé son jus, je lui ai donné. Parce qu'elle est venue, elle me dit, elle me fait une pub gratuite, après elle me dit, donne-moi le jus. C'est-à-dire, je n'ai rien compris, mais bon, j'ai quand même donné, parce que bon, je
Il me dit, tout travail mérite salaire. Il me dit, pour quelqu'un à qui je n'ai rien demandé, 100 euros, c'est raisonnable. Ok, donc le 10, oui, le 10, elle me fait une publication. Et Ivana. Oh putain, non, on n'est plus avec l'autre meuf parce que je. Quelle est ma garantie à moi? C'est là où Ivana se met à s'agiter et tout. Je lui dis, Ivana, on est parti chez un contrat de 120 000, quelque chose comme ça. Je sais plus, j'ai payé en euros. Non, non, je fais un top 5, quelque chose comme ça. Ouais, je pense que ça équivalait à 120 000. Hein. Ouais, je crois. Pour 5 jours ou 7 jours de publicité Snap. Parce que, soi-disant, c'est parce que c'est Karimo qui m'envoie vers toi. Elle m'envoie vers toi pour m'acheter, pour acheter des produits d'attirance. Je lui dis, non, je suis pas intéressé par ça. Dieu seul m'intéresse dans mon commerce. Ensuite, elle insiste. Elle insiste, elle me dit, parle de publicité. Elle me fait une publicité gratuite, je dis bah ok, si Karimo veut me faire une publicité gratuite, je suis d'accord. Ensuite elle me dit ok, Ivana aussi va te faire la publicité. Ivana me dit que c'est payant, je dis ok, ça me dérange pas de payer une pub en soi. Si tu as des followers, n'importe qui a des followers, ça me dérange pas. Je fais des pubs tout le temps. Tout le monde me pub. Donc ça me dérange pas de payer pour la pub. Mais je me rends compte en fait que Karimo en fait voulait que j'entre dans le réseau d'attirance d'Ivana, quand je refuse, ça devient les problèmes. Ivana me dit, soit tu payes là, soit, en fait, je lui demande la pub, je lui dis, Ivana, ta pub ne sert à rien, parce qu'aucun followers, avoir même j'ai plus de followers Snap que toi. Ivana me dit, soit tu, je lui demande à Ivana de me rembourser, en fait, parce que ce qu'elle m'a promis, il n'y a pas eu de rendu. Je lui dis, rembourse-moi. Elle me dit, non, elle ne me rembourse pas. Parti sur un kit d'attirance. Je lui dis, mais attends, je veux pas ça, moi je veux de la publicité. Comme tu m'as dit, les followers, si je n'ai pas ça, je veux pas de kit d'assurance. Elle me dit, c'est ça, ou elle me rembourse pas. Je dis, okay. J'hallucine, mais j'ai vraiment halluciné. On me force à acheter le kit d'attirance pour les clés. Je dis, mais c'est qui qualité ça? Du coup, j'ai dit que Ivana, tu ne me rembourses pas une fois. Elle se met à bavarder, à crier, forcément, elle se dit, Ivana, je suis très calme, je déteste les problèmes, surtout avec les collaborateurs. Mais si tu continues, soit tu me rembourses mon argent, soit tu fais la publicité. Je dis, bien sûr, tu me rembourses mon argent, soit tu fais la publicité. Elle me dit, non, d'acheter le kit. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, ok. Je vais voir Karimo. Je dis que Karimo, je sais qui, je dis que Karimo, en fait, sur le message que j'ai envoyé à Karimo. Donc, j'envoie un message à Karimo et Karimo, elle me fait quoi? Elle me bloque. Et parce que je ne veux pas de comment on appelle leur truc attirance là. Karimo me bloque et Ivana, elle me bloque aussi. Ivana me bloque aussi. Voilà. Elle me bloque. Impossible de les rajouter, je dis mais attends. Donc, Ivana, je me plains chez Ivana, elle me bloque aussi. Après avoir encaissé mon argent. On attend le droit de réponse de la boss Lady et d'Ivana, chef d'État. Parce que quand on vient mettre des choses comme ça sur les réseaux sociaux, je pense que les personnes qui sont pointées du doigt doivent sortir pour répondre. Après, rien n'empêche de même pas répondre aussi.
On va terminer. Moi, je m'en vais dormir. Les histoires de Sokor. Tous les jours, on se réveille, on se dort, on se couche. Il y a de nouveaux dossiers. Maintenant, c'est Jennifer qui sort nous raconter les histoires de kit d'attirance et que la boss Lady est meilleure copine à Ivana. Écoutez la fin. Carrément. Soit tu me rembourses mon argent, parce que j'ai toutes les preuves. J'ai toutes les preuves, toutes les fois où tu es venu dans mon inbox. Jennifer, va chez Ivana. Jennifer, je t'envoie chez Ivana. Jennifer, va chez Ivana. Je t'ai dit que je ne traite pas avec Ivana. Tu insistes. Jennifer. Jennifer, Ivana peut t'aider dans ton commerce. Jennifer, Ivana peut te dire que non. Tu insistes. J'ai tous les messages. Soit tu me rembourses mon argent avec ta copine Ivana, ce que tu m'as envoyé. Soit tu me rembourses mon argent. Il n'y a pas deux possibilités. Il n'y a pas deux alternatives. Vous me remboursez mon argent. Je dis bien, vous me remboursez mon argent. Voilà. Entrer faire les choses d'attirance, ce n'est pas forcé. Je ne veux pas. Je ne connais pas. Je ne connais que Dieu. Je ne connais que Dieu. Donc. Tu me rembourses mon argent carrément et avec Ivana, vous me remboursez mon argent. Bonne nuit.